Eh bien, salut à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette très longue série de Pokémon. La dernière fois, on avait su que Lily était, avait disparu, enfin, était kidnappée. Bah là, on est à la recherche de Lily, et on avait récupéré deux cristaux Z. Ah, j'ai eu peur. Ah, mais faites comme si j'étais pas là, je passe. Ah merde, bon, bah, je suis obligé. Un intrus, protégez le labo secret! Dit-il en hurlant. Le laboratoire secret, hein! En plus, il va prendre son Ether, mais c'est bon. Très bien, parce que j'en ai un moi aussi. Ténèbres. Amphinobi, je vois que ça. Je vois que ça, Amphinobi. J'ai rien pour le counter. J'ai spammé aéro-piqué parce que... Même s'il va beaucoup baisser ma défense, je pense pas qu'il puisse me mettre KO. Il l'a fait exprès. Hein. Au moins, je serai pas de rater. Ah, il est pas KO. Il est pas KO, il est pas KO, il est pas KO, il est pas KO. Ah ouais, mais il rate jamais sa baisse de défense, la vache. La souriken. Parfait. 41. Ok. Parfait. Tiens, j'ai perdu, quel dommage. Comme c'est dommage, tabernacle de calice. Seuls les chercheurs sont autorisés ici. À mon tour. Goûte à la puissance intellectuelle de la du paradiseur. Combat pur. Je pensais pouvoir, mais non. J'ai fait ça pour rien. Ça fait mal quand même, vache. Ah. Je vois que ça. Parce que si je fais regorgement, ok, je gagne en attaque et direct spécial, mais le problème c'est qu'il va me mettre KO. Que rengorgement arrive à ce stade, il me sert plus à grand chose. J'aurais pas eu tout mon starter, mais le problème c'est que j'ai pas autant de dégâts que ce que je pensais. Hein. Ah, fermeté. Non, ça va. Picor, vas-y.
fait. Ok, j'aurais dû cibler mes recherches sur la meilleure façon de gagner un combat Pokémon. Par contre, il reste un combat à faire, ça va être chaud. Nous travaillons actuellement sur de nouveaux types de Pokéball. Ah ouais, trop bien. Elles sont censées nous permettre d'attraper des Pokémon que l'on trouve pas, Lola. Laisse-moi deviner. Tu es là pour Cosmog, n'est-ce pas? Si tu veux savoir quelles expériences nous avons emmenées sur lui, il va falloir me battre. Ouais, je suis sûr que je vais le battre, j'aime pas bien. Qu'est-ce qu'il a eu? J'ai peur. Pour Aigon 2. Bah c'est pareil du coup. Il a en gros. J'ai demandé c'est qu'il a quoi comme talent. Est-ce qu'il est plus rapide? Bon j'ai ok je suis plus rapide. Bon normalement il est KO. Super efficace hein. Donc quoi il est KO? Bah oui si j'ai pu mettre Magneton one shot sans que c'est pour ça super efficace. Ouais il est KO. Hein. Vu que c'est super efficace. Il est normal. Oh, je suis trop con, il est normal. Mais il est normal, il est pas psy. Pourquoi j'ai pensé qu'il était psy? Oh. Pourquoi, moi, vivant, j'ai pensé qu'il était psy? Je suis la personne actuellement la personne la plus stupide du monde. Mais dans ma tête, je me suis réellement dit, ouais, il est psy, ça passe, bah non. Ouais, par contre, éveillez comme vous dites, s'il te plaît. Non, pour Rigon 1 et 2, ils sont normal, ils sont pas psy. Mais j'ai un grain des fois. Hein. J'ai vraiment un pet au cerveau, c'est incroyable. Hein. Ouah, t'as vraiment gagné, comme quoi la rigueur a sapé. Comme quoi, utilisons le cerveau aussi, sapé. Cosmog est notre clé pour voler l'ultra brèche. Mais trêve de baradage, les combats ne sont pas notre fort, équipons-nous. Ils veulent ouvrir les ultra brèches avec Cosmog. Genre les deux autres ils se barrent en mode puis lui il se barre en mode non. Alors il y a Glado qui est là ouais. Je sais pas si peut-être pas aller trop loin parce que s'il y a des dresseurs j'ai pas l'air bête. J'ai déjà fouillé cette pièce, elle n'est pas ici. Ok. Alors inutile de perdre ton temps. Tu vois type 0 et moi on se ressemble, on a été créés pour servir quelqu'un d'autre. Ma mère me considère comme un accessoire. Elle me dit toujours comment m'habiller, comment me comporter. Tandis que Type Zero a été créé pour servir un but unique, combattre les Ultra Chimères. Il a été conçu ici même, dans cette chambre. On ne va pas soigner les Pokémon. Oh, révèle, rappel. Mais je suis vraiment débile quoi. Pourquoi j'ai pensé qu'il était psy? Je sais pas, peut-être l'apparence qui fait les couleurs ou l'apparence, je sais pas. Bah non, il est normal. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en, vous allez répandre vos microbes partout. Nous menons des recherches de la plus haute importance. Les mioches n'ont rien à faire ici. Désolé, on va défoncer. Ouais, mais faut vraiment sauver Cosmog là, parce que s'il arrive à ouvrir l'ultra brèche avec ça. On va pas la mettre. Je pense pas qu'il me one shot, hein. Non, il est plante spectre.
Il est pas plante volée, plante spectre. Je vais essayer. Bon, déjà ça s'est fait. Parfait. Ok. Mais ouais, pourquoi je me disais qu'il était plan de vol toute la parole, je sais pas. Comme on l'a dit, d'où il y a la lumière, il y a l'où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. Les belles paroles ne suffisent pas à créer un monde idéal, tu comprends ce que je veux dire? Arg, le combat n'est pas vraiment notre fort. À nous les autres chercheurs. Ceux du labo A, juste à côté, sont un cas à part, ils s'entraînent sans relâche. Ce n'est pas étonnant, vu la dangerosité du spécimen qu'ils utilisent. Oui, bon, on s'en fiche, dites-nous plutôt où sont Lily et Cosmog. Je te dis rien, mais si tu nous as battus, c'est ça d'être adulte menteur, t'as très l'air. Adulte menteur alors qu'il est... laisse tomber. Je peux te dire qu'une chose, c'est qu'ils ne sont pas ici, mais tu l'as sûrement déjà remarqué, mouhaha. Sora, j'ai une idée. On a qu'à chercher chacun de notre côté. On aura plus de chances de trouver des indices comme ça. Ouais, ouais, cherche de ton côté, vas-y. Ah, bah d'accord, ok, c'est descendu. Rapport d'un ultra brush. L'ultra brush a été découvert pour la première fois par le professeur Mon. Il s'agit d'un portail s'ouvrant une dimension parallèle. Nos relevés énergétiques suggèrent que les créatures semblables aux Pokémon vivent dans cette dimension. Nous avons baptisé cette créature Ultra Chimère. Cosmog. Cosmog est un représentant d'une dimension parallèle pour l'Ultra Dimension. Nous supposons qu'il fait partie des Ultra Chimères. Lorsqu'il est menacé, il sert de son pouvoir permettant d'ouvrir une Ultra Brèche, probablement pour s'enfuir. Nous mettons actuellement au point un dispositif capable de stimuler sa peur, ce qui permettra de maintenir l'Ultra Brèche ouverte. Ah putain la vache, ok, je vois. Qu'est-ce rapport dit vrai alors Cosmog serait une Ultra Chimère? Faut qu'on aille dire ça à GLaDOS, et vite! J'avoue que pour le coup, pour une fois qu'il y a un truc intelligent. Ah bah tiens. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, on a appris des trucs sur Cosmog. Alors, si j'ai bien compris, déjà, c'est sûrement une ultra chimère. Et quand il est en stress, il peut ouvrir des ultra brèches, genre pour s'échapper. Quand il est en stress, quand il a peur ou qu'il a la mal, tu veux dire. Ça expliquerait pourquoi il dit s'est enfui avec lui. Par contre, on ne l'a vu nulle part. Ça m'étonne pas. Je parie que Sobone le savait. Damnation, je crois que nous sommes fait avoir. Ouais. Y a pas à dire que le côté sombre est torturé. Le côté sombre est torturé, c'est quand même super classe. Bon, on le rattrape, on va pas le laisser tout seul quand même. Ouais, peut-être se mal le cul parce que s'ils font de la merde avec Cosmog, ça va pas le faire quoi. Ok. Pas de chair de retour, hop. Pas de chaussée entrée. C'était là? C'était là, ok. Sora! Oui? Gru, j'aurais dû me méfier de Sobone, ce vieux roublard n'a vraiment plus d'un tour dans son sac. On fait quoi? On fonce dans le tas, tiens. T'en as beaucoup des questions idiotes comme ça. Bah, pourquoi t'es gris comme ça? Il faut pas, c'est pas bon pour le tas. Pas un peu plus! L'héritier, nous avons reçu l'ordre du directeur Sobone. Maintenant que vous connaissez la terrible série du paradis Aether, nous devons vous éliminer. Et vous et vos petits amis. Wow, rien que ça, Sora, avec moi. Ouais, malheureusement. Je veux pas que Gladio il est plus intelligent comparé à toi. Ok, deux employés de transition.
Bruno, c'est le type. Alors, vu qu'il est intelligent, on va faire une attaque électrique sur. Sur Bekipon, hein. N'est-ce pas? Ouais. Courir de l'eau, moi. Pas besoin de lui. Mon Brunus, il est très lent, ça va. Mur de fer. Ah merde. Bon. Tranche herbe, une fois. Quoi? Ah merde. Oh pff. Allez, merci Archiduc, t'es le meilleur. Il s'est dit, ouais non, il a contre la défense, c'est chiant, vas-y, je vais rentrer le type. Parfait. Vous êtes atrocement éblouissant. Vous n'auriez pas dû nous estimer des enfants. Nous n'aurions pas dû sous-estimer des enfants, pardon. Pourquoi les enfants de Lola sont-ils si forts? C'est quel le secret de cette puissance? Alors, je viens de Kanto, voilà. Je veux juste dire, je viens de Kanto, s'il vous plaît. Je sais pas, peut-être parce qu'ils sont, ils font le tour des îles à 11 ans, à hasard, hein? Maintenant, ça suffit. Vous avez assez fait perdre de temps comme ça. Bougez de là! Ils obéissent, tiens. On s'est bien battu. Quelle belle équipe, rien ne nous arrête, Sora. On se lancera des fleurs plus tard, on y va. Mais je dois tout de même me l'admettre. Je suis content de vous avoir à mes côtés. Sauf si. Mais sinon, à croire que si ne racontait pas que des âneries au Dôme Royal. Avoir des alliés c'est, sur qui on peut compter, c'est plutôt pas mal. Oh mon petit prince! Vicky? Oh non, elle est pas méchante, c'est impossible. Non, 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 elle est pas méchante. Et il fait rapprochement, il comprend qu'ils se connaissent. Oh, mon petit prince! Oh là, elle a des dossiers! Quel jour de te revoir! Sora, Tilly, laissez-moi signer vos Pokémon, c'est pour petit chou. Je me dis, c'est impossible que ce soit méchant. Vicky, tu sais où Lily? Oh, je pense qu'elle doit être auprès de la présidente. Dans ce cas, j'y vais, assez discuté. La présidente? C'est madame Elzamina. C'est bon alors. Elle est gentille, elle voudra nous écouter. Elle est gentille tant qu'elle t'a pas dans son radar. La porte est fermée à clé. Encore? C'est pas un problème. Ouais, ça me paraissait bizarre qu'elle soit méchante parce que vu comment elle est adorable. Oh non, mais sérieux les gens là? Oh 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 oh! Alors les dresseurs en herbe, vous êtes bien promenés là en bas? Quand je vous ai, quand j'ai vu débouler ici, ça m'a fait tout de suite mis à la puce à l'oreille. Je savais que vous essaierez d'aller voir la présidente. Mais Sobon est là, et la vieille, il est là, il veille au grain. Mais je me suis posté ici, et mis en embuscade, à vous attendre pour me rattraper de vous avoir laissé filer tout à l'heure. En fait, si je vous ai laissé aller en bas, c'était pour avoir le temps de rassembler une équipe pour mieux vous cueillir. Monsieur Sobon, du coup, t'as la clé avec toi là? Bien sûr que oui. C'était plus simple que rester caché. On aura bien été embêté. Mais là, on sait que t'as la clé. Que? Vous là, arrêtez les enfants au lieu de rêvasser. Bon sang, bonsoir. On n'a pas le temps de perdre avec ces âneries. Sora, avec moi. Ah, merci. On pouvait plus d'être avec Mister Bouffon là. Ah non, je vais pas battre. Oh bon, bah c'est pas grave. Magmar et Electek. J'ai envoyé gros tas de morts. Ah, la brûlure, bah oui, forcément.
T'aurais brûlé Electek à la place, j'aurais été mort de rire. Sub-Zero, ok, ce serait mieux, je pense. Gaz toxique normalement. Mur lumière, bah oui. Non, mais je rêve là, sérieusement. Réellement, je rêve là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je rêve. Crédit sur Grottenborg, bah oui, ça c'est pas drôle. Eh, mais ils font. Vas-y. Putain, son attaque griffe, elle fait vlama. Bon, bah, j'ai rabattu plus facilement que ce que je pensais. Ok. Je suis bon pour retourner à mes préoccupations quotidiennes de protection des Pokémon. Votre victoire éclatante a donné naissance à une ombre dans mon cœur. Si tu veux. Hein? Hein? Comment les enfants peuvent nous humilier de la sorte? Merci pour le coup de main, je te revendrai ça. Sora, Tilly, à vous de jouer. Donnez à ce bon une leçon qu'il mérite. Quelle autre? Quoi? Outrecuidance? C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot au premier degré. Quelle autre coïncidence! Comment oses-tu? Vous allez voir de quel bois je me chauffe, je suis le directeur Aether, de Aether moi. C'est parti pour un combat multi. Oula, Sora. Ouais, Sora, allons-y. Mais montre-lui que nos Pokémon on en dans le ventre pour Lily et Cosmog. Le regard en mode... Ah, il y a 3 Pokémon là par contre. Non, il est tout seul. Je vais commencer par engorgement. Je vais refaire un engorgement comme ça fera du 2V. Parfait. Pour une fois qu'il fait pas n'importe quoi, c'est rare, on en profite. Ok. Tricano. Ah non, voilà, et puis il y a pas assez de précision que ça. Mais non, mais je suis n'importe quoi. Super. Bah autant se booster encore. Je vais le réveiller. Ah bah j'ai un rêve en plus. Pas forcément. Sac. Réveil. Non, tenté. Réveil. Bon, j'avais personne en plus, parfait. Ok, donc là il est réveillé. Tu l'as mis KO, parfait. Oh, ça aime beaucoup les coups de Fladados. Ça passe. Eh, c'est quoi ce truc? Eh, c'est pas beau. Oh, t'y es laid. Oh, t'y es très laid. Je suis plus rapide que dans... Non, oui. Ok, donc déjà, il fait très très mal.
One shot, je pense, plus 3 en attaque. Ouais. Parfait. Niveau 43. Il est encore en attaque, parfait. Ok, parfait. Non, c'est lui qui envoie Pioli, ok. Hypnomade. Ok. Tisombre. Non, c'est bon. On a pas besoin de faire attaque Z, ça le met KO. Ouais, voilà, ça le met KO. Je me disais aussi. Ruban Bell 40, parfait. Ok, parfait. Bah si je peux dire. Ouais, ça c'est question. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je veux sauver Lily. En avant! Oh, ce regard! T'as vraiment l'opposé! T'as le mec en mode. Défoncé! T'as le mec en mode. Super, on va sauver Lily! Puis moi je suis en mode. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment trois réactions différentes! Merci pour la clip, Sousobone! J'ai horreur des enfants! Moi j'ai horreur de toi. Hein? Guzma? Ouah, ça grouille des sbires la Team Skull, ouah, par là. Ça voudrait dire que la Team Skull et la Fondation Aether sont du même côté? Ce coup de théâtre, je suis sous le choc, mais bon, on n'a pas le temps à perdre, faut réfléchir. Allez Sora, on rentre dans le tas. En même temps, le tas, tu réfléchiras une seconde. Ok. Réellement? Non mais... On n'a pas le temps. Je vais trop faire le portrait, ça va pas se passer, ça va te passer l'envie de causer au boss. C'est ça, ouais. Non mais il croit vraiment qu'on a le temps en fait. Et j'ai toujours rien pour contrôler ce Feralto. À part le taxé de l'archiduc. Ouais, ça devrait la one shot, je pense. Archiduc, allez, attaque, attaque. Non, en vrai, c'est vraiment one shot, je pense. Parfait. Ouais, c'est moi qui ai perdu et c'est mes Pokémon. C'est pas moi qui ai perdu, c'est mes Pokémon, c'est ça, ouais. T'as perdu parce que t'es nul. Yeah, pour la gloire de notre sponsor. Pour notre sponsor. Quoi? Pardon? Attaque, ok. C'est vrai que c'est giga gros joue là. Ok. Putain, mais je tranche. Picot. 55. 60. Oui, je vais prendre d'autres attaques parce que là. Machou, ok. Ça va pas être super efficace, puis ça va être... Parfait. Ok. Ok, parfait. Je voulais pas qu'il baisse mon défense. Parfait, bah voilà. Niveau 40, le Krabagar.
Mais en fait, de toute façon, j'ai plus de thunes, j'ai plus de thunes que toi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Super potion. Ouch. Ouah, comment tu nous roules dessus, c'est violent. Bon bah, tu peux passer, hein, je tiens mes dents. Ouch. Bah écoutez, c'est dans le prochain épisode qu'on verra ça. Je suis diabolique. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et le plus important, des bisous.